Le 20 janvier 2025, Donald Trump retournera vivre à la Maison-Blanche. Le 6 novembre 2024, le milliardaire américain a été élu président des États-Unis. Cette fois-ci, il était face à Kamala Harris. Ce poste qu'il avait laissé en 2021 à Joe Biden, il l'a remporté une première fois en novembre 2016 face à Hillary Clinton, la candidate démocrate et ancienne secrétaire d'État. L'élection avait été marquée par un climat politique très tendu et polarisé. L'homme d'affaires, sans expérience politique préalable, avait mené une campagne atypique, souvent populiste et marquée par des discours controversés. Il avait remporté des États clés dans le Midwest et le Rust Belt, décisif pour sa victoire. Peu après, les Inrecuptibles étaient revenus sur l'origine de sa volonté d'être candidat à la présidentielle. Plus précisément, le magazine s'était fait l'écho d'une analyse faite par Isabelle Hahn, journaliste à Libération. Dedans, il était question d'un épisode humiliant vécu par Donald Trump et qui, d'après elle, serait le déclencheur de la volonté de celui-ci de devenir président des États-Unis. L'événement en question a eu lieu le 30 avril 2011, lors du dîner annuel des correspondants à la Maison-Blanche. Ce soir-là, Barack Obama s'était lancé dans une joute verbale, s'adressant directement à Donald Trump, présent dans la salle, et le ridiculisant. « Ce n'était que justice », observait le média, étant donné que l'homme d'affaires multipliait les apparitions télévisées où il remettait en question l'origine américaine du président en exigeant de voir son certificat de naissance. Ce soir-là, le mari de Michelle Obama avait ironisé ainsi. Donald peut désormais se poser de vraies questions, comme « Avons-nous vraiment marché sur la Lune ? Que s'est-il vraiment passé à Roswell ? Où sont Biggie et Tupac ?» L'époux de Melania, tout en affichant un sourire forcé, avait tenté de garder son calme. Selon Isabelle Hahn, ses proches jugent que cette humiliation a été un moment déterminant dans la vie du milliardaire. Roger Stone, l'un des conseillers de Donald Trump, était revenu sur cet épisode dans le documentaire « The Choice 2016 » diffusé il y a quelques années sur PBS et Arte. « Je crois que c'est ce soir-là qu'il a décidé de se présenter à l'élection », analysait le spécialiste, cité par les Inrecuptibles. Selon lui, le père de 5 enfants aurait ressenti le besoin de se venger et il aurait pensé « Je vais leur faire voir de quoi je suis capable ». Et le monde entier l'a vu, à l'instar de Barack Obama, qui évoquait cet épisode dans ses mémoires, publié en 2020.